Salut à tous et à toutes, hein, c'est Bestie, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la frappe soluce de The Legend of Zelda The Wind Waker HD sur Wii U. Donc bah c'est parti, on va tout de suite continuer l'aventure principale. Donc c'est l'avant-dernière vidéo, je pense, bah, de cette... de cette frappe soluce. Dans cette vidéo, je compte en fait vous montrer en fait toute la galerie des figurines Tendo. C'est ça. En fait, je compte vous montrer toutes les figurines que j'ai récupérées durant le jeu. Et puis dans la prochaine vidéo, on battra le boss final, on battra Ganon. On le battra, on finira le jeu, etc., etc. Alors, donc pour continuer le jeu, tout simplement, on fait ça, on saute. Voilà, donc vous avez 7 ennemis après à combattre. Voilà, et en fait, quand vous allez le battre, voilà, son épée va vous indiquer en fait la porte à suivre. Donc il faudra suivre évidemment. Je vais un petit peu baisser la musique. Oula. Ah merde, ça c'est pas bon ça. Hop, donc là on fait la même chose, voilà, vous allez aller de salle en salle en fait jusqu'à trouver la bonne salle, hein, tout simplement. Voilà, vous avez le petit son qui vous indique de toute façon que vous avez réussi. Tiens, tu vas crever, oui. Tiens. Hop, donc si vous l'avez pas pris en photo, ce bonhomme, vous pouvez le prendre, hein. Moi je l'ai déjà pris de toute façon. Je suis pas encore allé développer la photo du garde que j'avais. Hop. Donc là, c'est par là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, mon petit? Tiens, ce tatouage, te le rends, prends-le. Ok, par là. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors quand ils sont pleins comme ça à venir sur vous, faites l'attaque tornade, hein, ça marche très bien, vous voyez. Ah voilà, donc là on arrive à la dernière salle, donc là va falloir le combattre de plein fouet. Allez, viens là. Tu crois que tu me fais peur? Ah le bâtard, bien joué. Ok d'accord, donc là faut être super concentré. Hop. Ah, un petit coffre. Donc là c'est le dernier objet du jeu je crois. Qui va être utilisé juste dans cette dernière partie, il me semble. Et on obtient les flèches de lumière. Visez un objet avec votre arc et appuyez sur ZR pour la choisir. Sa lumière divine transperce le mal. Voilà, donc c'est un petit peu prévisible, hein, vu que les flèches de lumière sont à peu près présentes dans tous les Zelda. Alors là, il faut absolument prendre ça, normalement. Ah non, quoique non. Je dis des bêtises. Donc là, on revient là où on était tout à l'heure. Donc voilà, les flèches de lumière, voilà, qui vont être utilisées. Wow! Putain, je savais pas que t'étais là, toi. Oh, le bâtard! Ok, je savais pas qu'il était là, excusez-moi. Ah oui, alors par contre, non, mais il faut que j'utilise les flèches, en fait. Je suis un petit peu bête à ce niveau-là.
faut que j'utilise les flèches. Ah, merde, non, excusez-moi. Ah, mais... Reviens là-haut. Voilà, petite flèche de lumière pour toi. Voilà, vous voyez que ça marche très très bien, on l'a one-shot carrément. Par contre, la flèche de lumière, voilà, consomme pas mal de magie, vous avez pu le voir. Je vais récupérer mes petits cœurs. Alors, il me faut son épée. Merde. D'accord, pourquoi pas. Ah tiens, il y en a encore là-bas. Hop. Et des flèches. Donc là, il nous fallait son sabre pour, en fait, détruire ceci. Voilà, tout simplement. Donc là, on va aller battre Ganon. Alors, donc là, on a des étages, enfin, ouais, des étages plutôt, voilà. Alors, je sais pas, par contre, s'il faut que je batte tous les ennemis qu'il y a à l'étage. J'en sais un petit peu rien du tout, mais bon, on s'en fout, on va foncer. Je crois que je suis pas obligé, en fait. Ok, sauf que toi, tu m'intéresses pas, donc salut. Voilà, on va essayer de tracer... Ah, bah je crois qu'en fait, s'il fallait que je... par contre, il me faut les flèches de feu. Wow, ah ouais, c'est le one shot. Ok, bah tiens, mais je vais utiliser ça en fait. Ça marche très très bien. Ça marche même super bien. Par contre, ouais, au niveau magie, c'est pas ça du tout. Donc ouais, il m'en manquait bien en fait. Est-ce que je peux l'avoir de là-bas, lui? Bah non. Donc faut bien en fait... Non mais je veux pas de ça, moi. En fait, faut bien, voilà, tuer tous les ennemis qu'il y a dans la zone. Et normalement, ça va ouvrir, voilà, la porte. Oula, petit bug de caméra. Par contre, j'aimerais bien... Oh, une fée. Ouais, mais je suis à full enfer, en fait. Donc, il me faudrait de la magie. Ce serait pas mal. Voilà. Donc, c'est parti pour aller vaincre Ganon.
Donc en fait, là, on va battre la première forme de Ganon. Donc c'est pas vraiment lui, en fait, qu'on va battre. Par contre, j'ai oublié de sortir l'appareil photo, parce qu'il faut le prendre en photo. Donc j'ai fait un peu le débile, là. Et en plus, j'ai pas pris les bons objets. Donc j'ai fait vraiment le débile, là. Ok, par contre, est-ce que ça serait possible de changer vite? Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, en fait, il me faut le boomerang. Voilà, en fait, il faut lui trancher ses cordes, en fait. Oula, 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 oula. Tu te rapproches un peu trop dangereusement de moi. Reviens, boomerang. Hop, hop. Et normalement... Ah, merde. C'est ça. Voilà. Donc il faut prendre les flèches de lumière et tirer sur sa boule là qui est... Voilà, alors par contre faites attention, regardez dans le miroir qui se trouve... Enfin, regardez dans l'eau en fait pour voir à peu près ses déplacements. Putain mais cassez-vous! Mais oh là là! Attends, je me fais exploser par une putain de chauve-souris quoi. Me crache du feu, carrément. Voilà. Par contre, t'as l'autre, là, sa queue, faut la détruire. Voilà. Et... Non. Non plus. Putain, flèche de lumière. Ok, c'est bon. Tiens, il y a une jarre, là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'espère pas gaspiller trop de magie. Oh putain. Cassez-vous! Ok. Donc ouais, c'est un boss qui est vraiment assez dur. Plus que ta queue maintenant. Là, oulala, le boomerang il a un petit peu du mal là. Voilà. Eh ben non, ça n'est pas fini. Ça aurait été trop facile là. Haha. Et voilà, Ganon revient en forme araignée. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de le prendre en photo en forme araignée. Hein. Il fallait juste le prendre en photo dès le début. Alors là, par contre, faut regarder dans l'eau. Voilà, pour voir en fait où il va atterrir. Et donc, voilà, lui balancer des flèches de lumière quand il le faut. Voilà. Ok. Oh, t'as lâché des flèches. Alors, où est-ce que tu vas? Ok, donc là. Voilà, donc c'est un... là, par contre, sa deuxième forme, je la trouve un petit peu plus facile que celle d'avant. Oh, un petit cœur. Ok, tu vas atterrir où? Et voilà. Donc la deuxième forme a été tuée, il reste la troisième forme, voilà, tout simplement. Alors là par contre, voilà, ça c'est la forme la plus dure parce que pour réussir à le choper, en fait, il faut réussir à lui taper sur la tête. Et dès qu'on arrive à le taper sur la tête, voilà, il s'arrête, sauf qu'il repart tout de suite en fait. Donc c'est un petit peu, voilà, chiant. Je vais certainement bien... crever sur ça.
Ah putain, je le savais. Je vais crever. Parce qu'en plus, quand il se conne en fait au mur, ça fait tomber les petits machins là. Allez! Putain, mais. Oh, mais j'hallucine! Putain, faut arrêter les conneries! Ok, alors par contre, pourquoi là ça l'a pas retardé efficacement? Oh là là, en plus ça lag! Oh là là! Ok, bon, je l'ai eu une fois. Oh là là, wow, ça lag! Putain, ça lag comme je sais pas quoi! C'est un truc de ouf! Oh là 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 là! Oh là là! Alors, je suis désolé de vous montrer ça, mais c'est putain, mais c'est un truc hallucinant! Ok, je t'ai eu une deuxième fois. Putain, en plus, j'arrive même pas à les tuer avec l'attaque tornade! Putain, mais c'est un truc. Oh là là! En plus, le mec, il arrive. Putain de. Tu vas te la prendre, ma flèche, oui? Voilà, enfin. Ouh, wow, c'était très mouvementé, dis donc. Voilà. Alors rassurez-vous, donc ce n'est pas fini, hein. Donc Ganon n'est pas mort. Ça serait trop facile. Donc là, on doit monter pour aller se farcir, en fait. Alors, j'avais vu une jarre. Normalement, c'est pour revenir au début, si je dis pas de bêtises. Bah, on va vérifier ça tout de suite. Je sais pas où ça va m'emmener. D'accord. Pourquoi pas? Ça m'emmène là, d'accord, mais pourquoi? Putain, avec les chiens qui gueulent dehors, là. Putain. Est-ce que je peux revenir en arrière? Je peux pas revenir en arrière. Ok, alors là on a un véritable problème. On a un véritable problème. Non, lâche. Voilà, arrête-toi. Faut monter. Ouais, il y a un petit problème parce qu'en fait je suis obligé de revenir en arrière pour développer les photos. Ce qui est problématique. Je croyais que les jars en fait m'emmèneraient au début. Bon, c'est assez long de grimper. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je finis le jeu, en fait, ça va écraser la sauvegarde. Et je pourrais pas vous montrer... Hop, là, faut que j'utilise ça, par contre. Ouais, sans tomber, évidemment. Voilà, faut toujours monter et monter plus haut, toujours plus haut. Hop. Et oula. Ok, et là normalement. Ok, donc là on se rafistole évidemment en truc, chose et autre. Et moi j'aurais bien aimé remonter en haut pour donner ma figurine. Enfin, pour vous montrer déjà les figurines. Ce que ça donne quand on les a toutes, mais apparemment le jeu ne veut pas. Ok, d'accord, mais je veux savoir. Ok, mais ça sert à quoi? Je veux dire, à part revenir en bas. Ça va me renvoyer. Voilà, ça va me renvoyer en bas. Mais je m'en fous de ça. Moi, je veux partir. Oh là là, c'est encore un truc super compliqué, ça.
À moins que je puisse partir en allant là-haut, mais là-haut, normalement, c'est le boss final, alors... Je ne comprends pas très bien. Bon, c'est pas grave. Bon, attendez, je vais voir ma petite fiche. Enfin, mes petites feuilles, en fait. Non, c'est pas là. Voilà, c'est là. Ok, d'accord. Bah oui, bah, je l'ai prise la photo, mais bon. Ils disent pas comment revenir. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais normalement, il doit y avoir un truc, je pense, pour... Oula. Ne tombe pas, mon petit Link. Bon, bah, on va y aller, hein. Thank you.
Et voilà, donc le combat final. Je vais t'aider avec ça à frapper-le de toutes tes forces. Ok. Donc, voilà, vous avez pu voir, donc, la princesse Zelda, ou Tetra plutôt, a pris votre arc et vos flèches de lumière, donc. Et donc, on va devoir se farcir Ganondorf. Ok. Alors, même la flèche... Attends, même la flèche me tue? Non, mais c'est quoi ce délire? Allez, mais touche-le, là! Ok. Alors, je sais vraiment pas comment faire pour les figurines, hein, je suis vraiment désolé. J'aurais aimé faire quelque chose, mais normalement, c'est possible. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Putain, je me fais défoncer. Boomerang! Non, ça marche pas. Alors, ce qui est un peu dommage, ce que je trouve, en fait, c'est que dans tous les Zelda, à la fin, on se tape, évidemment, le boss Ganondorf. Mais le seul objet utile qu'on puisse utiliser, c'est l'épée. Et encore, après, on a évidemment l'arc et les flèches de lumière. Mais sinon, tous les autres objets qu'on a récoltés ne servent à rien. C'est un truc que j'ai remarqué, mais... Enfin, je suis désolé, mais c'est vrai. Aïe, ça fait mal. Ah ouais, alors ça c'est un truc qui m'a horriblement agacé, c'est que cette technique ne sert à rien. Ah, tu t'es réveillé ? Alors là, normalement, je dois lui donner le coup de grâce, normalement. Ok, sauf que je sais pas trop comment. Soupe de mémé! Ah, je suis en pleine puissance! Viens, mon petit! Ok. Par contre, là, je suis un petit peu bloqué. Parce que je sais qu'il y a une commande à faire. Ah bah voilà, c'était ça. Je suis vraiment stupide. Excusez-moi, c'était un petit peu bête de ma part. Tu me vises ou pas? Voilà. Voilà donc le coup qu'il fallait sortir. Appuyer sur A tout simplement et sortir cette attaque. Voilà. Donc voilà. Franchement, la forme finale de Ganon, elle est. Ouais, elle est pas trop mal. Même si voilà, vous voyez qu'il n'y avait pas eu de grandes difficultés. Il fallait juste esquiver ses coups et puis voilà, l'attaquer quand il le fallait. C'est vrai que j'étais un peu déçu à ce niveau-là parce que la forme précédente était quand même un petit peu plus dure. Je pensais qu'on a utilisé aussi tous les objets qu'on avait récoltés dans le jeu, mais en fait c'est pas le cas. Il fallait juste utiliser l'arc, le boomerang encore, hein, pour la première forme. Puis voilà, c'était tout en fait. Donc voilà. Donc là on a fini le jeu. À 100% mes amis. Sauf évidemment pour les deux figurines qu'il me reste. Parce que voilà. Parce que je ne sais pas trop comment revenir. Link, oh my god.
Et voilà la fin de Zelda. Donc bah, on va avoir droit au crédit. Donc une fin voilà plus que raisonnable, voilà, c'était pas trop mal, je pense. Enfin moi j'ai trouvé. Donc voilà, on a pu Excalibur, on a pu bah, notre lion rouge, notre fameux bateau, hein, puisque c'était le roi d'Hyrule. Mais on a toujours nos amis, et c'est le plus important. Ouais, coucou! Donc je vais vous laisser les crédits avec cette fameuse musique que j'adore tant. Hein. C'est vraiment une des musiques que je préfère dans tous les jeux Zelda. De toute façon, vous allez l'écouter. Je vous retrouverai après parce que je pense qu'après je vais essayer de vous montrer bah, les figurines s'il me reste un peu de temps. Ou alors ce sera dans une prochaine vidéo. Ouais, coucou! Avec Medoli et du Moria qui sont sortis de leur temple. Heureusement, parce que si elles devaient y rester toute leur vie. Par contre, les mouettes qui traversent le bateau, ça me pose un petit problème. Hein. Je sais pas pour vous, mais voilà. Ah, petite musique. Donc, les crédits qui arrivent. Donc, que dire de ce Zelda? Un très bon Zelda, déjà. Enfin, faut savoir que quand il est sorti, avec ce self-shading, ça a été vraiment un truc, enfin, une claque visuelle. C'est vraiment un très bon Zelda, sauf la fin qui est peut-être un petit peu. Bah c'est un peu ce qu'on reproche en fait à tous les Zelda, c'est la fin qui est un petit peu bof bof en fait en général. Enfin, moi j'ai bien aimé l'histoire, le jeu, le gameplay, j'ai bien aimé tout ça. Je vais essayer de voir pour les photos. Voilà, alors par contre, ce que je trouve vraiment dommage et ce que les développeurs devraient faire, c'est qu'à chaque fois qu'ils. Enfin, qui font un report HD, c'est qu'ils améliorent le jeu, encore une fois. Pas juste rehausser les graphismes en HD. Je sais que je suis assez redondant avec ça, mais faut quand même mettre les choses au clair. C'est-à-dire que moi, je veux bien racheter un portage HD, mais si c'est pour le racheter au prix fort et c'est juste les graphismes, ça sert à rien. Donc là, heureusement, ils avaient fait quelques petites améliorations, c'est-à-dire la voile rapide, ils ont accéléré plus ou moins des phases de gameplay, ils ont changé la carte de la Triforce, qui était absolument horrible. Voilà, ils ont rajouté des cartes au trésor, on aurait peut-être aimé un donjon en plus, mais bon, voilà, ça c'était vraiment. Fallait peut-être recoder le jeu à ce niveau-là, mais au moins ils avaient fait quelques petites améliorations, donc à ce niveau-là, je dis ok. Mais il y a encore des choses, voilà, qui n'ont pas été réglées, par exemple des problèmes de. Des problèmes de. Merde, comment je pourrais dire ça? Des problèmes de caméra, voilà, des problèmes de graphisme aussi, des fois les objets qui rentrent dans les murs ou la caméra qui rentre dans les murs, etc. Problème de lag. Enfin, je veux dire, sur GameCube, il y avait du lag aussi, quand il y avait plusieurs choses à l'écran, et ça je peux le comprendre, mais là on est sur Wii U quoi. Alors évidemment, c'est pas une console qui. C'est pas une console qui est révolutionnaire hein, comparé à la PS4, la Xbox One. C'est vrai qu'elle est pas extrêmement puissante, mais quand même, quoi, à ce niveau-là, enfin, je veux dire, ok, tu sors du 1080p 60 fps, mais moi à côté, si le jeu il lag, ça sert strictement à rien. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ils auraient pu faire un petit effort au niveau des lags, etc. Donc, voilà, j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là, mais bon. Voilà, les lags, voilà, on en a deux dans le jeu, on va pas trop chipoter. Donc en général, bah, un très bon Zelda, voilà, je vous le conseille, hein, si vous m'avez suivi, vous avez pu en voir ce qu'il en est. Donc je vous retrouve après les crédits, je vous laisse le son, et puis profitez bien de cette musique, à tout de suite.
Et voilà, donc on se retrouve dans le menu. Sauvegarder et commencer une autre partie. Si vous souhaitez conserver les données présentes, sauvegardez-les dans un autre fichier. Sauvegarder... Non. Retourner à l'écran titre sans sauvegarder. Ok, attendez. Si vous souhaitez conserver les données présentes, sauvegardez-les dans un autre fichier. Ouais, on va voir. Je vais sauvegarder là, par exemple. Voilà, donc ça vous fait une nouvelle partie, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Hop. Ok, on retourne à l'écran titre. Donc voilà, voilà ce qu'il en est pour le jeu Zelda. Voilà, vous avez vu à la fin une petite... petite 15h56. Oula, elle est pas à l'heure là. 19h01, 15h56. Ok, d'accord. Je veux juste voir où ça m'amène ça. D'accord, ça me ramène là. Et ouais, j'ai qu'une. Ok, j'ai qu'un truc, évidemment. D'accord. Si je retourne. Non. Si je retourne à l'écran titre. Voilà, donc bon bah c'est dommage, je n'ai pas trouvé comment comment malheureusement ouais, ok, non, non, annulé. Ok. Donc j'en suis désolé pour les figurines, c'est dommage. Au moins vous saurez que vous saurez que j'ai récupéré toutes les photos qu'il faut récupérer. En sachant que dans cette version GameCube, il y a une photo qu'on ne peut pas récupérer qui correspondait au frère de Tingle, qui s'appelait Kingle, je crois, qu'on ne pouvait récupérer qu'avec la Game Boy Advance et la GameCube, en fait. Fallait les deux et le câble aussi. Sauf que là, vu que c'est la version Wii U, on n'a pas besoin de prendre cette photo. Je suis vraiment désolé pour que je puisse pas vous montrer les photos. Franchement, si vous savez comment faire sur la version GameCube, dites-le moi, parce que... C'est vrai que c'est un gros problème, ils ont peut-être pas pensé à ça, je pense. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, si vous avez aimé, si vous avez kiffé cette Frapsolus avec moi, si vous avez regardé du début à la fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire aussi, ça fait super super plaisir de voir vos commentaires. Et puis voilà, je m'attaquerai à une prochaine Frapsolus, au prochain jeu Zelda qui sortira sur Wii U aussi. Là je suis actuellement sur Knack, mais je sais pas vraiment quelle Frapsolus je pense faire à côté. Peut-être un jeu Wii, je ne sais pas, on verra. Voilà, donc je vous laisse sur cette petite musique entraînante, et puis j'espère que, je le redis, j'espère que ça vous a plu encore. Prenez soin de vous, vive les jeux vidéo, et à plus tout le monde, ciao ciao.